Bonjour, apparition et disparition, c'est le thème de l'exposition de Thierry Froger à découvrir jusqu'au 9 octobre au Centre d'art de Montrelais. Une expo mêlant photos, diapos et vidéos. Alors Thierry Froger, c'est un artiste qui est de la région, qui a fait ses études aux Beaux-Arts de Nantes. Et donc là, qui propose une exposition jusqu'au 9 octobre qui s'intitule Scénario. Voilà, donc c'est quelqu'un qui travaille sur les phénomènes de projection, sur différents outils entre la projection diapositive, la vidéoprojection, voilà, la photographie, et qui traverse comme ça un petit peu l'histoire de l'art en faisant des références au cinéma, à la littérature, voilà, et qui nous permet un petit peu comme ça de voyager entre les différents imaginaires, imaginaire collectif, imaginaire personnel. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui certainement a eu du plaisir à faire une proposition au Centre d'art, puisque tous les travaux là qui sont, enfin pour la plupart, les travaux qui sont montrés sont des travaux récents, donc qui entretiennent un dialogue avec le Centre d'art plus ou moins directement, voilà, et l'histoire du lieu et de la commune. Et puis c'est un travail assez varié qui est teinté à la fois d'humour, de références, assez artisanal pour une partie. C'est quelqu'un qui enseigne les arts plastiques, il est enseignant, et voilà. Et puis sinon, je pense qu'il se consacre aussi à son travail de création, voilà. Sachez également que le Centre d'art propose des ateliers réguliers de pratiques artistiques pour enfants, mais aussi pour les adultes. Les inscriptions ont lieu en ce moment même.